Vivais à l'écart de la place publique, serein, contemplatif, ténébreux, bucolique, refusant d'acquitter la rançon de la gloire. Sur mon bras de laurier, je dormais comme un loir. Les gens de bon conseil ont su me faire comprendre qu'à l'homme de la rue, j'avais des comptes à rendre, et que sous peine de choix, dans un oubli complet, je vais mettre au grand jour tous mes petits secrets. Dois-je pour les besoins la cause publicitaire, divulguer avec qui et dans quelle position? Je plonge dans le stupre et la fornication. Si je publie des noms, combien de Pénélope passeront illico pour de fiefs salopes? Combien de bons amis me regarderont de travers? Combien je recevrai de coups de revolver? Souffrant de modestie, quasiment maladive, je ne fais voir mes organes procréateurs à personne excepté mes femmes et mes docteurs. Dois-je pour défrayer la chronique des scandales battre le tambour avec mes parties génitales? Dois-je les arborer plus ostensiblement comme un enfant de cœur porte un saint sacrement? Du monde et qui souvent me laisse faire mes quatre voluptés dans ces quartiers de noblesse, la sournoisement passée sur son divan de soie, les parasites du plus bas étage qui soit, sous prétexte de bruit, sous couleur de réclame, ai-je le droit de ternir l'honneur de cette dame en criant sur le toit et sur l'air des lampes? Madame la marquise m'a foutu des morpions. Remets dans ma guitare, refusant d'acquitter la rançon de la gloire.